Et yo la team, c'est Kéros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Aujourd'hui au menu, un petit McDo moderne. Donc franchement il est super sympa à réaliser. Donc avant de commencer le tuto, je tenais à vous préciser que j'étais disponible sur TikTok et Instagram. Donc vraiment je compte sur vous pour vous rejoindre sur ces deux réseaux, enfin me rejoindre sur ces deux réseaux où vous y trouverez encore plus de contenu, voilà. Normalement leur nom s'est affiché en début de vidéo, sinon vous me retrouvez au nom de Kérosification, très simple. Donc voilà, la parenthèse est terminée, on commence le tuto sans plus attendre. Donc là, pour ce faire, on va sélectionner des blocs de béton rouge, béton jaune, béton gris clair, vitre gris clair, planche de chêne, pierre lumineuse et des enclumes. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça les amis, c'est parti, on commence sans plus attendre. Donc je vais me remettre à la première personne. Donc là, je vais me mettre par là moi. Hop, j'essaye de me repérer un petit peu de la map. Donc enfin bref. Donc c'est parti, on commence avec des blocs de béton gris. Hop, on en pose deux comme ceci. Ensuite, on va passer à du bois, donc avec les planches de chêne, vous posez deux blocs comme cela. Ensuite, on laisse 1, 2, 3, 4 blocs comme ceci. Là, on creuse sur deux blocs de profondeur, on y place des pierres lumineuses au fond et des enclumes par-dessus. C'est parfait. Quoique, je vais peut-être me décaler de 1 vers l'arrière. Hop. Donc là, on va faire comme ça. Comme ça, ça fait un petit peu de, comment dire, de relief dans le bâtiment. Bon, il y en a déjà pas mal, hein, donc il n'y avait pas vraiment besoin de ça, mais bon, ça sera plus joli. Donc voilà, on fait comme ça. Ensuite, de l'autre côté, on refait la même chose comme ceci. Donc c'est parfait. Et ensuite, je vais aller sur 6 blocs. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, les amis, on va reprendre nos blocs de béton gris. Donc là, on va faire 1 et 2 comme ceci. Et là, je fais 2, 3, hop, en partant de l'angle. Donc ça nous fait 3 blocs. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend nos blocs de béton rouge. On va faire 1, 2, 3 comme ceci. Et ensuite, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Donc là, on a déjà fait notre façade avant du bâtiment. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, les amis, je reprends mon bloc de béton gris. On va commencer par la façade de droite. Donc là, je viens du côté droit, je replace un bloc de béton gris comme ceci. Donc là, on a deux blocs, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre mes planches de chêne. Et là, je vais faire en sorte que l'on ait 10 vitres. Donc là, j'en pose deux comme ça. Donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitres comme ceci. Et je replace comme ceci de chaque côté pour avoir nos repères. Donc là, c'est parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je reprends mes blocs de béton gris. J'en place un ici. Ensuite, je prends mes blocs de béton rouge. Je vais faire 1, 2 et 3 comme cela. Parfait. Et ensuite, je reprends mes blocs de béton gris. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Donc là, on a déjà fini cette façade. Là, je vais replacer pour faire la jonction avec l'arrière du bâtiment. Donc là, je place un bloc de béton gris ici. Un bloc de béton rouge là. Et je replace deux comme ceci. Et puis, c'est parfait. Donc là, on va faire l'arrière du bâtiment, les amis. Donc là, je reprends mes planches de chêne, j'en place deux comme ceci pour avoir un repère comme on a fait là-bas. Et là, on va faire 18 vitres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parfait. Et je remets comme ceci de chaque côté. Donc ça nous fait en totalité 20 blocs de planches de chêne comme ceci alignés. Parfait, donc une fois que j'ai fait ça, je reprends mes blocs de béton gris et je vais en placer 1, 2, 3, 4 comme ceci. Parfait, ensuite on va switcher sur la façade d'à côté. Donc là, je suis en train de réfléchir, donc là j'ai placé mes 4 blocs, donc là j'en place 2 comme ceci. Donc là on a 2 blocs de béton gris, 1 bloc de béton rouge et 2 blocs de béton gris comme ceci, c'est parfait. Ensuite, je reviens vers l'intérieur du bâtiment. Hop, comme ça, on en a deux ici. J'en place un ici en béton rouge. Parfait.
Et ensuite, tout simplement, je vais placer 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de façon à être en face des blocs de béton rouge là-bas en face. Et comme ça, là, on va reposer 1, 2 et 3 blocs de béton rouge en face des autres en face. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je reprends mes blocs de béton gris, j'en repose un ici. Voilà, là je prends des planches de chêne et je vais faire 8 vitres. Donc au pire, pour être sûr de pas se tromper, on peut très bien repartir en blocs de béton rouge ici. Hop, vous en posez 3 comme cela, vous voyez. Ensuite, je reprends mes blocs de béton gris, j'en pose 2. Et là, on n'a plus qu'à faire nos planches de chêne. Donc là, je les pose gentiment. Et c'est parfait. Donc voilà, là, on a déjà fait les fondations du bâtiment. Donc on a déjà une belle base. Donc là, ça va être assez simple. On va suivre étape par étape. Donc là, on va venir derrière. Et on va faire en sorte que l'on ait 4 fenêtres. Donc 4 blocs de hauteur. Donc là, on a les 4 blocs. Et je repose un cinquième qui va venir fermer l'encadrement. Hop. Comme ceci, c'est parfait. Et là, je n'ai plus qu'à remplir en vitre gris clair. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, les amis, ça va être très simple. On va prendre notre béton gris clair dans un premier temps. Et là, on va s'occuper que de la zone arrière. Donc ce que j'appelle la zone arrière, c'est des 3 blocs ici aux 3 blocs de l'autre côté. Et bien ici, au-dessus des blocs de béton gris, on prend le béton gris clair que l'on va remettre à la même hauteur que ce qu'on a fait avec le mur en planche de chêne ici. Voilà, qui est parfait. Et pour les blocs de béton rouge, rien de spécial, sauf que ce sera en rouge, pareil, sur la même hauteur. Donc voilà, sur les blocs de béton gris, faites très attention, c'est du béton gris clair. Donc ça, on va le faire pour l'ensemble de l'arrière du magasin jusqu'aux 3 blocs rouges de chaque côté de la construction. Donc voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, les amis, on va passer avec nos 3 blocs de béton rouge de chaque côté. Donc ceux-ci, on va les monter sur 13 blocs de hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Donc ça, on le fait pour chacun des 3 blocs et pour chaque côté du bâtiment. Donc voilà, c'est parfait. J'ai fait mes 13 blocs de chaque côté. Cette fois-ci, je prends mes blocs de béton rouge et je pars d'ici. Donc, un bloc au-dessus du béton gris clair que l'on a posé. Donc là, je vais faire rejoindre l'autre partie, tac, comme ceci, voilà. Donc là, pareil, de l'autre côté. On va jusqu'à l'autre côté, c'est parfait. Donc, bien entendu, on remplit entre les deux lignes. Sinon, on va avoir un trou, ça va pas être très joli. Voilà, parfait. Et là, je remplis donc jusqu'au-dessus ici. Et pareil pour l'autre côté. Donc jusqu'ici et bien entendu jusqu'ici. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire notre toit ici que l'on va faire en dalle de quartz lisse. Donc vous sélectionnez les dalles de quartz lisse et vous allez faire comme moi le tour du bâtiment en prenant soin de dépasser de un bloc par rapport au mur. Donc là, vous faites pareil tout le tour, vous dépassez bien de un bloc. Ça sera beaucoup plus joli que si on était pile poil sur les murs. Enfin bref, vous avez compris. Donc là, je fais ça tout le tour, je dépasse d'un bloc et c'est parfait, on revient jusque là. Donc une fois qu'on a fait ça, très simple, on n'a plus qu'à remplir l'intérieur du toit avec nos dalles de quartz lisse. Donc voilà, très simple, une fois que l'on a fait ça, on va passer tout simplement aux autres façades. Hein. Donc là, très simple, je vais partir sur 8 fenêtres de haut ici. Donc là, je vais compter 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je place un 9e bloc pour faire mon encadrement, voilà, qui est parfait. Donc là, je n'ai plus qu'à remplir avec mes vitres. Et ensuite, là, je prends mon béton gris clair que je vais ramener donc jusqu'au-dessus ici. Voilà. Donc une fois qu'on est au même niveau, on le fait dépasser de 2 blocs. Parfait. Là, je fais la même chose à droite. Donc 1 et 2. Nickel. Et là, je vais juste faire revenir, hop, les deux piliers comme ceci. Donc là, on fait notre petit encadrement de 2 blocs ici. C'est parfait. Donc là, je dois être à un bloc des bétons rouges. Donc si c'est le cas, c'est que vous êtes pile poil dans les bonnes dimensions. Donc voilà, j'ai plus qu'à remplir cette fois-ci cette grande fenêtre de vitre gris clair.
Donc voilà, une fois que j'ai fait la façade de droite, on va faire celle de gauche et on terminera par la devanture du magasin. Donc là, je place 4 blocs de chaque côté comme ceci afin de faire des fenêtres de 4 blocs. Donc je repose un cinquième bloc pour faire l'encadrement, c'est parfait. Là, on a bien nos 4 blocs de hauteur. Et ensuite, je refais une fenêtre de 2 ici à l'étage. Hop! Et je repose un troisième pour finir l'encadrement comme ceci. Voilà, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, bah on est bon. Donc là, je vais prendre mes béton gris clair que je vais ramener donc à la même hauteur que les planches de chêne. Hop, ici. Voilà, vous voyez au même niveau que l'encadrement ici. Et de l'autre côté. De l'autre côté, ça va être un petit peu différent. On va ramener à la même hauteur que ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc là, je monte, je monte. Une fois que je suis au même niveau ici, je vais faire dépasser de 3 blocs, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, faut qu'on revienne au même, à un bloc du haut des blocs de béton rouge ici. Enfin bref, voilà, vous faites dépasser 2-3 blocs ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend nos dalles de quartz lisse. Ah oui, je vois l'erreur que j'ai fait, je comprenais pas. Là, c'est deux planches qu'il faut mettre. Hop, ici. Là, on en met deux et ici, donc on va décaler. Excusez-moi pour ce petit fail. Donc c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à modifier, c'est encore assez tôt pour le faire. Donc voilà, là, on est bon. Je me disais bien, faut qu'on soit au même niveau que là-bas en face. Et là, on a bien nos deux blocs qui dépassent, comme de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la logique. Enfin bref, donc là, je prends mes dalles en quartz lisse. Et là, je les place dans la partie inférieure du deuxième bloc, ici, vous voyez. Donc là, je vais les amener sur toute la lignée. Parfait. Et on doit retomber pile poil sur ce mur gris clair ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'empile mes dalles de quartz comme ceci. Et je dépasse de une demi-dalle. Donc c'est parfait. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire mon toit, donc qui revient jusqu'ici. Voilà un petit peu le rendu que l'on obtient. Et cette fois-ci, je n'ai plus qu'à faire mon toit sur 6 blocs de profondeur. Donc là, je viens ici. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on compte bien le premier bloc. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Je ferme mon rectangle. Et je n'ai plus qu'à remplir tout ça de dalles de quartz lisse. Et bien entendu, mettre mes vitres gris clair dans les encadrements prévus à cet effet. Donc voilà les amis, on a terminé toutes les façades, il nous reste plus que le devant du magasin. Donc là très simple, on va faire un peu le même schéma que ce qu'on vient de faire. Donc là je vais faire ici, hop, là j'empile du coup mes 4 blocs de hauteur. Toujours pareil pour les fenêtres, excusez-moi, j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc là pareil, je remonte sur 4 blocs, parfait. Donc là on a 5 blocs en tout hein, depuis le sol. Donc là, comme ça, on a nos fenêtres de 4 blocs, pardon. Donc là, je replace 2 blocs comme ceci. Et ces 2 blocs, on va les amener jusqu'au bout du mur en planche de chêne. Voilà qui est parfait. Donc on est à ras du mur en béton gris. Là, je fais la même chose de ce côté-ci. Voilà qui est parfait. Et du coup, là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que l'on va prolonger ici les planches de chêne comme cela, parfait. Là on peut très bien faire la même chose histoire d'avoir quelque chose d'assez propre à l'intérieur. Donc là c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, donc on n'a plus qu'à refaire les fenêtres comme on a fait là-bas. Donc là ce que je vais faire c'est 1 et 2 et puis là un troisième bloc. Donc là vous voyez qu'on revient bien à la même hauteur. Et celui-ci, donc on l'emmène jusqu'à l'autre côté. Hop, voilà qui est parfait. Ensuite, pour la porte d'entrée, vous allez sélectionner des escaliers en planches de chêne. Hop, donc là, je viens les placer ici, donc à l'envers. Voilà qui est parfait. Ou plutôt dans l'autre sens. Ouais, non, on va laisser comme ça, c'est assez sympa. Hop, là, je place mes vitres. Là, je place ma porte. Voilà qui est parfait. Donc là, on a une petite porte d'entrée assez sympa.
assez simple à la fois. Du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah bah oui, le mur gris à gauche là. Donc là, je prends mon béton gris que je vais ramener gentiment jusqu'à la hauteur finale comme on a fait pour les autres murs gris. Donc je vous rappelle que l'on doit dépasser de 2 blocs nos planches de chêne. Hop. Et puis voilà, qui est parfait. Donc là, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'on va resélectionner les dalles en quartz lisse. Et puis, on va refaire un peu le même schéma que tout à l'heure. Donc là, je viens ici, dans le deuxième bloc, à la partie inférieure, je les place. Hop, je reviens comme ça, gentiment. Voilà, qui est parfait. Donc là, comme tout à l'heure, je prends mon béton gris. Par contre, là, on va le remonter jusqu'au-dessus. J'avais pas vu que j'avais oublié celui-là. Voilà, donc là, nickel. Et puis. Donc là, je n'ai plus qu'à remonter. Hop. Jusqu'ici et on dépasse de une demi-dalle sur le dessus. Et cette fois-ci, le toit va s'encastrer sur 4 blocs de profondeur, donc 2, 3 et 4. Parfait. Je vais jusqu'à l'autre côté comme ceci. Donc la nuit est en train de tomber. Et là, je fais 2, 3 et 4. Et voilà, je n'ai plus qu'à remplir tout ce rectangle en dalles de quartz lisse et à placer mes vitres gris clair. Donc voilà, les amis, on a une jolie petite devanture. Donc cette fois-ci, on va faire quelque chose d'assez simple. On va prendre nos bétons gris clair et on va contourner donc tous les toits en dalles de quartz lisse. Donc là, je viens ici, je fais tout le tour. Du premier toit qui est celui de la devanture. Là, je reviens ici, c'est parfait. Ensuite, je repars d'ici. Donc ici, ça va être un petit peu différent car on va devoir faire notre grande tour qui va faire office de publicité. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. Je prends ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc on remonte au-dessus. Est-ce que j'ai vraiment 14 blocs? Ouais, c'est ça, on a 14 blocs. Donc là, on va remonter l'ensemble ici des blocs de béton rouge sur 14 blocs. Donc voilà qui est parfait. Et quand j'en suis ici, je vais remettre un quatrième bloc comme ceci des deux côtés et je les fais se rejoindre. De cette façon, voilà qui est parfait normalement. C'est juste ici que ça choque un petit peu finalement. Voilà. on va pas faire ça. Hop, on va juste les faire aller comme ceci et ça sera très bien. Voilà. Donc là, on est bon. Donc à ce niveau-là du toit. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Bah là, on va repartir. Tac, tac, tac. Je suis en train de réfléchir un peu. Ouais, là, on va repartir du mur rouge que l'on a au milieu du magasin. Donc là, toujours pareil. Je prends mes bétons gris clair. Je les place sur deux blocs de hauteur. Je fais bien le tour de mon toit. Je reviens ici. Hop, voilà, qui est parfait. Et puis, bah là, on est bon. On est bon. Donc voilà, là il nous reste plus que le toit ici à faire. Donc pour ce faire, je sélectionne des dalles de pierre taillée qui sont ici. Voilà, qui est parfait. Et là, donc même principe que pour le quartz, on va entourer notre toit. Donc c'est-à-dire que l'on va dépasser de un bloc par rapport au mur que l'on a placé. Donc là, on vient ici, c'est parfait. Et là, on repart d'ici, hop. Voilà, donc là, toujours pareil, on fait dépasser de un bloc nos dalles de pierre taillée. Hop, là, je reviens ici, je fais le tour par là. Et je termine avec cette grande ligne droite. Hop, et on vient s'arrêter ici dans notre mur en béton rouge. Donc voilà, là, on n'a plus qu'à remplir toute cette zone avec nos dalles de pierre taillée. Donc voilà, cette fois-ci, il nous reste plus qu'à faire les détails. Donc là, hop, j'ai oublié de remettre du béton rouge. Donc pour les détails, on aura besoin de principalement 3 blocs, donc béton jaune, dalle en chêne et muré en pierre taillée. Donc là, on va commencer tout de suite par faire le logo.
Donc le logo, hop, on prend notre repère ici, on descend de deux blocs et on va faire trois blocs comme ceci, un bloc comme ceci de chaque côté et on refait trois blocs de chaque côté. Voilà, donc là on a notre logo McDo. On peut peut-être même le faire un peu plus bas. Hop, ça sera peut-être un peu plus joli. Là, là, hop. Donc là j'ai tout descendu de un bloc et voilà, donc ça sera peut-être un peu plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on va rajouter quelques petites décorations. Donc là, je prends mes murets en pierre taillée où je vais les positionner comme ceci. Parfait. Et ici, parfait. Donc là, je me suis placé à un bloc de la fenêtre et pareil de ce côté-ci. Donc du côté droit de la construction, rien de bien compliqué, on va faire un pilier avec nos murets en pierre taillée comme ceci qui remonte jusque là. Et pareil ici, donc à deux blocs de la fenêtre, vous avez vu. Hop, et on le remonte ici. Ok, pour la face arrière, donc c'est là où il y a le plus de boulot, j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer par faire nos petits piliers en pierre taillée, donc j'en mets un ici à un bloc de la fenêtre ici. Ensuite je fais tous les deux blocs, donc hop, deux blocs je fais mon pilier, deux blocs je fais mon pilier, deux blocs je fais mon pilier, deux blocs je fais mon pilier et puis le dernier à deux blocs également. Et vous voyez qu'on tombe à un bloc de la fenêtre, donc c'est qu'on est centré, c'est parfait. Ok, donc là, c'est bon. Là, on va faire un joli petit logo McDo sur ce toit ici. Donc là, pour ce faire, les amis, je prends mes blocs de béton jaune. Je viens, hop là, je viens ici. Hop, je descends deux blocs en diagonale et j'en place un ici. Vous voyez, là, on a deux blocs, deux blocs, deux blocs. Donc là, c'est mon repère. Je descends comme ceci et je fais le logo McDo comme de l'autre côté. Le fameux M doré. Et c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes planches de chêne que je vais placer, on va essayer de centrer ça. Donc là, je vais placer hop, en face de la partie inférieure et là, en face de la partie supérieure. Voilà. Donc ça, je l'emmène hop, comme ceci jusqu'au bout du mur en béton rouge. Voilà, je m'arrête à deux blocs. Comme là, on a commencé à deux blocs, ça fait quelque chose de centré. Là, pareil, voilà, qui est parfait. Et donc, sur cette façade, je vais terminer comme pour celle de derrière. Je commence à un bloc, je place ici, je m'écarte de deux, je refais un pilier, et je m'écarte de deux, je refais le dernier pilier. Voilà, qui est parfait. Donc là, notre bâtiment est terminé. On n'a plus qu'à aménager un petit peu autour de ce magasin, donc plutôt de ce restaurant McDonald's. Donc voilà, pour aménager, on va prendre déjà dans un premier temps nos dalles de roche lisse. Là, je m'écarte de 4 blocs, je pose au cinquième mes dalles de roche lisse. Donc là, hop, je viens faire comme ça tout devant. Donc là, je vais déjà creuser ici, hop. Donc là, on arrive au bord du mur, pareil, je refais 1, 2, 3, 4 et au cinquième, je pose, donc ici. Là, je vais déjà remplir donc mes dalles tout le tour ici. Voilà, vous l'aurez compris. Donc là, j'ai fait quoi? On avait bien 4 et je place au cinquième. Donc là, c'est parfait. On a 4 et je place au cinquième bloc. Donc là, pareil, je viens faire tout le tour comme ceci. Hop, donc là, on va essayer de revenir gentiment comme cela. Donc là, je vais reprendre mes blocs de terre. Tac. Donc là, je reviens. Hop, ici. 1, 2, 3. 1, 1. Ouais, c'est ça. On va revenir gentiment comme cela. Ou alors, on va faire 2 comme ceci. 1 ici. Et 2 comme ceci. Et hop, je repars. Donc là, on a bien nos 4 blocs. C'est parfait. Et je repars comme cela. Hop, je refais le tour, tac, 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 nickel, donc là, j'arrive ici, je vais faire un espèce d'arrondi comme cela, nickel, et je reviens ici, voilà qui est parfait. Donc là, on va rejoindre l'avant du McDo, tac, et puis là, je vais finir en angle droit, voilà. Donc là, partout où on a creusé, donc tout le tour, on va placer nos dalles de roche lisse.
Donc voilà, j'ai placé tout le tour mes dalles de roche lisse et maintenant l'intérieur, on va les faire en pierre taillée. Donc je vais sélectionner la pierre taillée, toujours un calvaire de la trouver, la bonne, voilà elle est là. Et du coup, je creuse tout l'intérieur où je vais remplacer tout simplement avec mes blocs de pierre taillée. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je voulais vous dire, n'oubliez pas de remplir le sol, donc comme vous voulez à l'intérieur. Moi, je vais le faire en quartz blanc. Et après, donc, on n'aura plus qu'à faire les routes autour, donc pour imager le Mac Drive. Et puis un ou deux petits parkings sur le devant du magasin. Donc là, à l'intérieur aussi, je vous ai pas dit, mais n'oubliez pas de redescendre du coup là où il y a marqué l'enseigne sur le devant du magasin. Là, faut bien redescendre en bloc de béton rouge, sinon vous voyez, là vous avez un gros trou à l'intérieur du magasin. Ok les amis, donc là il nous reste plus qu'à faire déjà dans un premier temps le drive. Donc moi, je vais le faire ici, 1, 2, 3 blocs. Donc moi mes routes font 3 blocs, donc je le fais de 3 blocs. D'ailleurs il y a un petit tuto qui est disponible si ça vous intéresse. Donc là je vais faire les 3 blocs comme ceci. Donc là je vais creuser tout le tour à 3 blocs. Donc ici pareil, on revient gentiment sur 3 blocs comme ça, etc, etc. Et donc là on va bien entendu faire la route tout le tour sur 3 blocs jusqu'à ce qu'elle revienne ici. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma route, on n'a plus qu'à remettre donc tout le tour de la route des demi-dalles comme ceci. Donc voilà, ça c'est parfait. Une fois qu'on a fini ça, on ramène les demi-dalles jusqu'à la route. Donc pour moi, dans mon cas, c'est ici. Hop, je reviens ici, c'est parfait. De ce côté-là, je vais laisser ça comme ça, puisque ici, on va faire un petit parking. Donc là, pour faire le parking, je vais pas aller trop loin, je vais aller jusqu'ici. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et une rangée de 1, 2, 3. Ouais, 3 comme ceci. Donc là, ça nous fait combien de blocs en tout? D'ailleurs, là, je vais mettre les dalles ici. Donc 2, je commence d'ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Et du coup, un huitième ici où on va ramener donc ça jusqu'à la route là-bas devant. Donc là, je reviens ici, ouais, c'est ça. Je reviens là, tac, et voilà qui est parfait. Donc là, je n'ai plus qu'à remplir ici en demi-dalle. Voilà qui est parfait. Et du coup, là, entre tout ça, on n'a plus qu'à remplir en béton noir. Donc voilà, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je fais des places de 3 blocs. Donc là, juste ce qu'on va faire pour faire un petit peu plus joli, on va aller sur 4 blocs comme ceci. Et puis là, pareil de l'autre côté, pour faire un peu plus joli, on va aller sur 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire nos places. Donc ça, ce qui va dépendre, vous voyez là, je pense qu'on va déjà faire de ce côté-là 1, 2, hop. Nickel. Là, on remplit en pierre taillée. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, on n'est pas obligé de se centrer. Ça fera pas plus moche, on va dire. Donc là, je fais tous les 3 blocs. Ici, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs. Et là, on finit à 3 blocs. C'est comme par hasard. Donc, c'est pas grave, là. Du coup, au lieu de finir comme ça, je vais aller gentiment ici, hop, changer et remplacer par des demi-dalles. Et ici, hop, j'enlève tout ça, je replace mes pierres taillées. Nickel, donc là on a fait un premier parking ici. Et là on va essayer de faire un peu le même système. Donc là je vais commencer par le fond. Donc là je vais faire 1, 2, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, et on termine ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de placer ici, on va faire hop, comme ceci, 2, 3 et 4, 2 ici, et on revient comme cela, c'est parfait. Donc là, je remplace comme ceci, nickel. Là, je vais faire un petit passage piéton comme cela. Donc voilà, ça passe ici. C'est parfait, et maintenant tous les repères que l'on a fait, on n'a plus que... Ah merde, je les ai placés en quartz lisse, je crois bien ça. Ouais, hop.
Et donc là, tous les repères que l'on a fait, on a plus qu'à les faire aller sur 4 blocs de longueur comme ceci. Et ça sera parfait. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va refaire la même chose en face. Donc ici, je me décale de 4 blocs. Donc moi, je vois pas très bien. Donc 2, 3, 4. Ok. Et donc notre repère, il est ici. Là, on va refaire des repères tout le long comme cela. Hop, nickel. Là, tac, je fais ça. Et là, toujours pareil, j'allonge mes places sur 4 blocs de longueur. Et puis là, je vais recommencer la même chose. Donc là, hop, je vais jusqu'en face. Là, pareil, ici, je creuse, hop, tout le long comme ceci. Voilà, je reviens là en face. Hop, ici, c'est parfait. Voilà, et je reviens donc jusqu'ici. Et c'est parfait. Donc là, j'ai plus qu'à placer mes demi-dalles à cette hauteur, car moi, je vais faire un petit terre-plein, histoire de couper un petit peu tout ça et de rajouter un peu de verdure. Et je vous reprends juste après, une fois que ça sera terminé. Donc voilà, c'est parfait. Il me reste plus qu'à faire le logo du McDo. Donc on va le faire par là. Donc enfin, la pancarte publicitaire. Donc là, je vais aller sur 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, 7. Ouais, 7, on est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais faire 1 au milieu et je vais faire 1, 2. 1, 2, nickel. Donc là, je fais 1, 2, 3 avec mes blocs de béton jaune. 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3 ici. Et je termine comme cela. Voilà. On a notre logo McDo. Et maintenant, ce qu'on va faire, une dernière chose pour avoir un petit peu plus de réalisme. Donc là, je vais placer tout autour du magasin des piliers comme ceci. Hop. Donc là, j'en place tout autour aléatoirement. Et puis, une fois que c'est fini, donc on se retrouve juste après. Et donc voilà, on a terminé les amis. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà un petit fly around du McDo. Donc franchement, il est franchement j'adore. C'est vraiment trop stylé. Voilà. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok et Instagram. Donc vraiment, je compte sur vous pour me rejoindre. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao bye tout le monde. Steak et rose.